Bonjour, bonjour Patricia. Bonjour Yaël. Alors, tu as suivi à mes côtés la transmission du féminin guérisseur pendant une année. Et là, on finit ce week-end la transmission par un week-end de clôture. Et comment as-tu vécu cette transmission, tout ce cycle sur une année? Je peux dire que déjà, je suis très contente d'avoir suivi ce cycle-là, d'avoir traversé toutes ces portes. Puisque pour moi, ça a beaucoup de sens par rapport à ce que j'avais besoin, ce besoin de me nourrir. Et tu as été vraiment ce que j'appelle cette éclaireuse qui nous accompagne vraiment avec cette lanterne dans les profondeurs de ce féminin et dans cette intériorité. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée. Et pour moi, cette notion dans mon activité et dans cette femme aux quatre vents, c'était important pour moi de le vivre vraiment dans cette expérience-là, entre femmes, avec toutes ces femmes-là qui se sont rassemblées autour de toi. C'était très riche. C'était aussi remuant, puisque chaque porte sont aussi remuantes, mais il y a tellement de reliance, d'amour et de soutien et de cette énergie que tu transmets et que tu es, parce qu'il y a cette notion du être qui est très Gentil, présent. merci. Merci. Et pour les femmes qui, voilà, qui auraient envie de venir ou qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Leur si dire elles sentent l'appel de venir si à la elles sentent transmission? l'appel de ces quatre portes, de ces quatre éléments, de ces quatre chakras, parce que de cette connaissance aussi des huiles essentielles, c'est quelque chose qui s'intègre au fur et à mesure. Parce que c'est, oui, je pars de moi, quoi, et de moi, c'est un chemin. Et on continue, c'est une ronde, c'est très éclairant. C'est vrai que je vais revenir sur ce terme-là, c'est très éclairant. Éclairant dans ses parties, dans ses profondeurs et de se rencontrer à cet endroit-là. Ouais. Merci Patricia. Merci. Merci en tout cas, voilà, d'écouter notre petite interview. Et si vous avez envie de venir me rejoindre et nous rejoindre dans la transmission du féminin guérisseur 2024 qui commencera en janvier, là dans les gares, dans les gorges du Gardon, et ben vous êtes la bienvenue. Il reste quelques places. À bientôt!